Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour cette partie 14 sur Fear 2. Oui, partie 14 déjà. Ça progresse, hein. Donc Alma se rapproche, oui, on l'avait déjà lu. Donc je vais aller sur le complexe de Steel Island, localiser l'amplificateur esthétique et rejoindre mon équipe. Amputé d'un membre de plus, hein. Pff, un de plus, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le seul qui compte, c'est moi, de toute façon. Tiens. Il y a quelque chose à voir là? D'accord, je perds mon arme. Ok, ça doit vouloir dire que je sais pas, je vais me faire attaquer par Alma ou que sais-je encore. En tout cas, ça me fait bien perdre des FPS ces conneries, hein. Hein? What the? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ah ouais, non, c'est le monde d'Alma ça. Faut la ramener à la chambre. Mais foutez-lui la peste, pauvre gamine! Mais lâchez-la! Vas-y Alma, tue-les tous. C'est une seule bande de cons de toute façon. Allez, sérieux, moi j'ai de la sympathie pour Alma. Je vous jure. J'ai une sympathie monstrueuse pour cette fille, même si elle veut me tuer. Je veux dire... D'accord, elle s'en prend pas à la bonne personne, mais on peut pas lui en vouloir. Yeah. Ça c'est de la balançoire quand même. Bon. Alors on continue. Je sais pas à combien j'en suis du jeu, mais bon. Plus je fais de partie, plus je me rapproche de la fin, hein, c'est logique. Logique, c'est à dire là. Ouais. Prochaine fois tu prends échelle, ok. Ça bouge beaucoup. Vraiment beaucoup. Joseph. Au revoir Laura. Vous pouvez me poser un procès si on survit à ça. J'espère que vous n'êtes pas loin. Ouais, je m'amuse à tuer des rats. J'en ai rien à foutre de vos petits trucs là. Je m'amusais juste à tuer des rats, ça vous dérange pas hein, pendant que mes coéquipiers se font tuer. Enfin, j'espère hein, parce que j'en ai rien à foutre de toute façon. Vos petites vies de merde là, je m'en cogne. Oh, fusil de sniper. C'est bon ça. Bon bah je reste ici hein. Arrêtons de recharger à chaque fois. Donc, encore des amateurs. Oui, non. Je peux monter là? Non, bien sûr, je suis pas foutu de prendre une... Je suis pas foutu de... Toi, t'es mort. Toi aussi. Vous êtes toujours des soldats réplicas ou des soldats de l'autre que j'ai tué qui sont errants maintenant? Je veux dire, est-ce que tuer votre chef avec une balle de fusil à pompe dans la gueule vous a... Tous tués en même temps, vous étiez liés par le cœur. Vous êtes là, Manny? Comment ça se passe? Genre la Captain Planet. Manque de coordination. C'est pas une attaque organisée. On dirait qu'ils se croisent séparément. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand même recharger. Tire dessus depuis où? Ah. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière pour aller récupérer les munitions de snipe ou... Non. Boom, headshot. Dans ta gueule. J'ai un sniper. Vous en avez pas. Je vous emmerde. Bon, attends. J'ai l'air d'en avoir fini avec le plus gros, là. Je vais aller rechercher les munitions de sniper. En vitesse.
mes munitions de fusil d'assaut sont complètes. Ah mais merde, je les ai déjà récupérées avant, c'est logique, j'ai tiré des balles. Crétin, là. C'est bon, la musique peut se calmer, là, c'est usant pour les oreilles. Je crois que j'ai tout tué, sinon je me ferai encore tirer dessus. Un peu de logique. Eh non, mais demander de la logique à ce jeu. Non, je veux pas de votre pistolet, c'est de la merde. Cool. Bon non, il y a des ennemis qui vont popper là-bas, tu peux être sûr. Quoi? Comment ça a pu passer à travers? T'es mort, malgré tout. Hop, une petite recharge. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Venez! Venez, je vous attends! Ça va presque pas faire mal. Non, ça va pas faire mal du tout, je vous one-shot à chaque fois. Où êtes-vous? Oui, là. C'est moi. C'est quoi ça? Il y a eu des explosions, je sais pas pourquoi. Ah, mais t'es à moi toi! Ah, ok. Ceci explique cela. Ouais, et t'as tué un mec avec une arme qui m'intéressait potentiellement. Il n'y a pas moyen d'aller chercher. Donc bon oui, on rejoint mon équipe, c'est vrai. Allez. Vous êtes un putain d'enfoiré, pas de doute. Un putain de fossoyeur, c'est quoi ce sous-titre? Oh oui, et donc je dois faire quoi une fois que je les ai rejoints? Ah. Bon, c'est par là. Bon sang. Hey Stox, les commandes ont morflé pendant le combat. Vous pouvez ouvrir cette porte où vous êtes? Je crois que oui. Un instant. Vas-y, bouge-toi. T'aurais pas pu rester à ta grosse mitrailleuse. Montez sur la tourelle et débrouillez-vous. Ok. Si tu me prends pour les sentiments. Ça, c'est la classe. Ah ouais, avec la petite musique guitare électrique derrière. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous allez mourir tous. Je suis un putain de fossoyeur, c'est ce qu'il m'a dit. Toi, je sais pas ce que t'aimes, mais tu vas crever. Bande de merde. Vous valez pas les soldats réplica de Pierre 1 de toute façon. Tout ce que j'ai à vous dire. Quoi? Ah mais vous êtes là-bas. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Ouais, tu fous rien depuis tout à l'heure là, c'est moi qui tue tout, alors ta gueule. Par contre moi j'en prends plein la gueule là hein. Pourquoi ça lui passe à travers? Regarde-moi ça! Ouais, tu pourrais peut-être massacrer indéfiniment, mais moi j'ai pas de la vie limitée là. Putain, c'est quoi ces mecs? Sérieux, non, là ça commence à devenir long. Jeanne mec, c'est super cool de pouvoir servir d'une... Ah bah voilà. Et, mais je voulais récupérer les... Mais putain, laissez-moi récupérer le bouclier et puis tout ce qu'il y avait dedans, bande de crétins, va bah. This is fucking teasing me. You know?
putain de merde. Je les ai vus. Bien sûr, après, faut fermer, hein. Faudrait pas laisser au joueur l'occasion de se soigner après un combat qui lui a coûté pas mal de boucliers de vie. Bonne chance, mec. Ouais, viens pas avec, surtout, hein. Trop du cul. Ouais. Ça va, y a pas de place pour deux dans cette pièce tellement exiguë et étroite qu'on pourrait y mettre 10 personnes. Mais viens pas, surtout. Oui, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pas bouger. Ah, ça me scanne. Ok. Bon, ça doit dire que je suis... Ah bah oui. Ah, de la chance, j'ai failli te tirer dessus. Oui, bah avant de venir par ici, j'explore un peu la pièce, hein. Si ça te dérange pas, connasse. Parce que pendant que t'as rien branlé, moi j'ai passé 14 missions. Ta gueule! Je suis pas à tes ordres, hein. Ta gueule, sincèrement. Je regarde, j'observe. J'ai besoin de bouclier et de vie, ce qu'il n'y a pas. Contente. C'est bon, j'arrive. Voir. Ouais, moi pas. Je savais pas si vous y arriveriez. Tu me laisses passer. Je pensais pas qu'on s'en sortirait. Merci. Ah, quand je pense à Adret qui joue à Bioshock Infinite, qui a un superbe PNJ qui l'accompagne partout et qui l'aide. Moi j'ai des boulets. Chacun sa croix, hein, comme on dit. Ford ne savait pas ce qui se produirait au retour d'Alma. C'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, je veux juste que vous sachiez. Personne n'aurait pu faire mieux que vous, Beckett. Si on s'en sort, c'est grâce à vous. C'est gentil de le reconnaître, parce que c'est quand même moi qui ai tout fait pendant que vous branliez rien dans votre VBTT, hein. Bon, toujours pas de bouclier. Tu m'excuseras, mais je contrôle toujours tout avant de... résoudre les objectifs de mission. Je suis sûr qu'il y avait 2-3 documents à récupérer là, mais bon, ils y sont plus. Ok. Je dois aller où? Je suppose par là. Tu viens avec moi cette fois? Oh, c'est pas comme l'autre. C'est gentil. Tu vas te faire tuer, c'est ça? Quoi? Y a pas d'analyse, y a rien? Oh. Je dois vérifier que tout est comme statistiquement indiqué dans ces notes. Pendant ce temps-là, vous pouvez charger l'amplificateur. Certes, mais si on rencontre des ennemis, tire quand même, t'as une arme, hein. T'as beau être qu'un officier de liaison à la con, comme il disait, t'as une arme, super, tu sais t'en servir, tu m'aides. Alors j'en ai marre de perdre la moitié de ma vie parce que l'autre con et tout ce qu'il sait dire c'est « Hey, vous voulez un encas? J'ai plein de munitions pour vous à vous mettre dans la gueule et je ne tire pas. » Hein? J'espère que t'es pas comme l'autre inutile. C'est... massif. Rejoignez l'amplificateur télésthétique et détruisez Alma. Déjà, attends, je suis à la fin du jeu ou quoi? Ok. Je suppose que c'est ça. Bon, puis je vais me faire attaquer par Alma pendant ce temps-là, c'est ça? Bon, oh, de toute façon, j'ai pas le choix, y'a pas d'autres objectifs. Vas-y. Aristide? Qu'est-ce qui vous prend? Faut arrêter Alma! C'est exactement ce que je compte faire. Mais Beckett n'est pas assez fort sans amplificateur. Elle va l'absorber. Et alors, on les enfermera. Hey, vous êtes pétasse. T'as fait quoi de ton flingue? T'en avais un en main. Sans Alma, t'es vraiment une idiote, hein? Et sans influence, je n'ai plus d'avenir. Et sans être une pétasse, je n'ai plus de rôle d'enfir. La ville est en ruine, et tout ce qui compte pour vous, c'est votre putain de CV. Écoute, là, je reconnais que le doublage français, il est pas mal. On va faire ça à la Alford. On va liquider cette saleté. Connasse. Je suis désolée qu'on en soit là. Vraiment. Je ne suis pas si mauvaise. Mais oui, c'est ça. Je n'ai pas le choix. Oh, qu'est-ce que t'es moche, vu de près.
Bon, Alma, arrive et bute-moi cette pouffe. Ne le faites pas attendre. Ah là, merci Alma. Au moins tu es la connasse quoi, vas-y, réduis-la à l'état de squelette comme tu fais d'habitude. Salut Alma. Oh, t'as toujours ta duck face. Ouais. Bah c'est super rassurant. Wow. Ah non, pas si près la duck face, sérieux. Va putain, je me fais baiser par Donald Duck. Ah. Oh putain. Ok. Mais dégage. Casse-toi. Il est où mon amplificateur esthétique? Quoi, je dois me battre contre toi maintenant? Bon, le sniper c'est parce qu'il est plus pratique contre toi. Et on va prendre un lance-roquette quand même. Pourquoi elle veut pas de toi? Parce que t'es une grosse merde. Je dois te rappeler que j'ai essayé de te sauver tout du long, enfoiré. Mais putain, mais lâche-moi, j'ai envie de continuer! Ah, sérieux? Boulet, va! Oh, puis j'ai de nouveau perdu l'amplificateur esthétique, il est où? Allez, c'est quoi, j'en ai rien à foutre de toi. Ta gueule. Ça y est, t'es nous là. Non, elle est pas à toi. Ta gueule, donnez-moi un quick time event que je puisse lui ratamer sa gueule. Ok, il est où? Bon, là il y a le siège. La 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 la. Oh, ta gueule. Oh, eh, non, non, difficulté, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, il... Comment ce boulet peut être aussi puissant? Bon, première chose à faire, récupérer l'amplificateur et rusher dessus. Ok. Certes. Au lance-roquette, tu fais moins le malin. Hein. Mais putain! Mais bordel! Je meurs en trois coups, là! Oh, j'en ai marre de m'énerver sur ces jeux, quoi! Sérieux, je suis littéralement en train de crever en trois coups! Pas possible, je dois être proche de la fin là. Merde, je pars dans l'autre sens moi. Hein. Lâche-moi. Ah, putain. Mais je vais crever de nouveau. Déjà, je le vois pas, je sais pas où il est, mais ça me saoule! Putain! Bordel de chiasse! Non, je vais pas changer de difficulté, je vais pas me mettre en facile pour ce petit passage de merde. Ah, je connais déjà le titre de la vidéo avec un putain de pétage de câble. J'ai rien, j'ai pas une seule arme qui pourrait être efficace contre lui. J'ai rien. C'est pas comme si je pouvais le viser de loin vu qu'il apparaît à mesure. Bon, bah, je vais l'attendre, hein. Je vais juste l'attendre.
Va te faire foutre. Je suis en train de me faire violer. Pas par Alma, par ce mec! J'ai pas envie d'avancer. Y'a pas moyen de sauvegarder entre deux, je suis toujours obligé de reprendre depuis là, quoi. Putain, mais il me fait de tels dégâts! On va pas rush. On va prendre le temps de tuer ce qu'il y a à tuer. Lâche-moi, trou du cul! C'est bon, cette fois je t'ai assis, vu ta gueule! Non, crève! Crève et crève, j'en ai rien à foutre! Tu m'as tué deux fois, t'espérais quoi? J'allais t'aider? Va te faire... Putain, ce que ça fait du bien de te voir mort! Pendant qu'Alma est en train de me violer. Sous fond de pixels. Ok, ça doit être une fan de Mario, je suppose. Ça y est? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça y est, Alma a eu un gosse. Et maintenant... Et maintenant je suis globalement dans la merde. Ah, ça fait de nous des mariés femmes, c'est ça? Oh! Ben dis donc, elle est déjà à 6 mois de grossesse. C'est la classe. Tu es papa. Oh, c'est presque mignon comme scène. Ouais, non, mais la tête qu'elle fait derrière, alors là, c'est pas mignon du tout. Ouais. J'ai fini le jeu? Putain, vous vous rendez compte, ça fait un deuxième jeu fini sur la chaîne. J'y crois pas. Donc Alma est enceinte et de toute façon on a déjà fait Adresse et moi le 3. Donc voilà, ça y est, on a la série complète des FIR sur la chaîne. Je pourrais me concentrer sur mes autres let's play et autres, notamment Silent Hill 3, et probablement reprendre Dead Space aussi. Désolé pour les gros pétages de plomb qu'il y a eu. J'ai pas eu la patience. J'ai littéralement pété un plomb, on peut le dire. C'est pas génial, hein. Mais voilà. Je pensais pas que j'étais... Putain, il est court le jeu quand même, hein. J'ai fini en quoi, 8 heures? Bon, FIR, j'ai fini en 6 heures. Pas mal aussi. Bon, on va attendre jusqu'à la fin du générique, hein, comme la dernière fois. Générique qui est un peu de meilleure qualité que celui de FIR. Ah, c'est marrant quand même que je finisse FIR 1 et FIR 2 en si peu de temps. Ma foi. Voilà, ça fait un deuxième jeu fini. D'ailleurs, mon soldat, il a l'air content. Hein. Alma, elle est plutôt cool. Elle aurait pu le tuer après l'avoir mise enceinte. Non, non, elle lui met la main sur le ventre. T'as vu, c'est ton enfant. Je sais pas, je suis peut-être dérangé, mais j'ai trouvé cette scène de fin touchante. Bon, faut dire que je venais de me taper un combat de merde contre un mec qui me littéralement one-shootait. Hein. Ça aide pour trouver n'importe quoi touchant. Vous auriez pu me montrer un caca de chien sur la tête d'Alma, j'aurais trouvé ça touchant après ça. Alors, globalement, quel est mon avis sur le jeu? Bah, j'ai pas réussi à avoir peur. Mais autrement, jeu intéressant. On a quand même envie de progresser. C'est dans les choses à noter. Et c'est pas parce que le jeu est pas effrayant que je vous le déconseille. Franchement, si vous avez l'occasion, jouez-y. C'est très jouissif à jouer. Et apparemment, j'avais récupéré à peu près tous les documents qu'il y avait à récupérer avant de perdre ma sauvegarde. Donc du coup, que j'ai utilisé une sauvegarde à 100%, ça change pas grand-chose parce que j'avais déjà tout lu. Donc voilà. On va juste attendre la fin du générique qui est long. Il y a eu du monde sur ce jeu, il y a eu du monde. Osons l'avouer. Ouais, avec tout le copyright qui va derrière. Copyright 1997 à 2009. C'est quoi? C'est des cheveux qu'on voit en arrière-plan là?
Yep, Fear 2 Project Origin. Un deuxième jeu fini. C'est quand même la classe. Excusez-moi. Je suis désolé de me la péter comme ça, mais deux jeux finis, quoi. Je commence à gérer. Je commence à gérer. Et à bien gérer. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce first play. En espérant que ça vous ait fait plaisir. Moi, ça m'a fait super plaisir de finir ce jeu en votre compagnie. Laissez-moi un commentaire, un favori, un j'aime. Vous pouvez aussi venir sur le groupe Facebook. Vous connaissez l'adresse depuis le temps, hein, www.facebook.com/fullgamerzone. Vous connaissez tout ça. Sur ce, moi je vous dis à plus les gens, à une prochaine. On va juste regarder ce que j'ai comme récompense. Dédale, c'est quoi ça? Fuyez les forces réplicas sans tuer d'armure lourde. Ah, il manque 2-3 succès quand même. Ce sera l'occasion de revenir sur le jeu. Détruisez les hélicoptères. Poids mort. Ah non, mais c'est sur Fear 2 Reborn. J'ai pas Fear 2 Reborn, j'ai que Project Origins, je crois. Faudra que je regarde. Allez, sur ce, à plus les gens.